Cette semaine, on a questionné les enfants sur la semaine de la réduction des déchets. Mais c'est quoi au juste la semaine de la réduction des déchets? La semaine de la réduction des déchets, c'est comme il y a moins de pollution, parce que quand on trie, ça fait un plus pour la planète. Parce que des fois, quand on se pollue, ça peut tuer les poissons, ça peut tuer les requins, les dauphins, tout ça. Qu'est-ce que tu proposes, toi, pour préserver la planète? On va trier le plastique, le carton, tout ce qui est comme ça dans des poubelles, parce que sinon ça va polluer la planète. Et si tout le monde fait ça, la planète elle va être remplie de déchets. Comment je fais alors pour trier? J'ai toutes les poubelles. J'ai toutes les poubelles, la jaune, la bleue, la grise, la verte. J'ai bu quelque chose, la bouteille était en verre. Et je regarde les poubelles et je vois la poubelle verte. Je dois mettre ma bouteille en verre dedans. Bon, d'accord. Et comment ça marche pour les autres poubelles? On a une poubelle verte pour mettre les bouteilles. Après, la jaune, c'est pour mettre. On a une poubelle bleue, c'est pour mettre. Bon, allez, qu'est-ce qui l'aide? La poubelle noire, c'est pour les ordures ménagères. Les poubelles bleues, c'est tout ce qui est bouteilles, biobons et bidons et tout ce qui est papier, bouteilles de carton de lait par exemple, emballage en métal et c'est tout ce qui est papier carton. Vous avez des astuces pour mieux se repérer? Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ils peuvent écrire sur des petites étiquettes et coller dessus pour toujours s'en rappeler. Et sinon, la collecte, elle se fait quand? Le jour de collecte, c'est le lundi. Le calendrier des collectes, vous allez bientôt le recevoir dans vos boîtes aux lettres.